être entier est en feu. Ma voix, mon corps, mes mains. Je tremble du besoin de m'exprimer. Du dedans de la terre, je célèbre. Des cieux vient ma réponse. Du dedans de la terre, je crée son corps. De l'espace, sa demeure. Cette abondance et cette beauté est ma source. Mon corps est l'instrument de mes expressions. Qu'il s'agisse de vêtements ou de textiles, de peau ou d'ustensiles en terre ou en métal, de lampes dont on se sert pour allumer la nuit, ou même d'images rituelles sur le sol ou sur les murs des demeures. Partout où se tourne le regard, on voit de beaux objets, fabriqués souvent dans le cadre de la vie quotidienne. En un sens, chaque personne est un artiste ou vit au milieu de l'art. Le sans forme a des attributs et n'en a pas. Et tout en concentration sur le vide cosmique. Lui-même s'est-il fait création? Lui-même médite sur elle. En concentration sur le vide cosmique, où se joue la musique mystique sans frappe. Au-delà de toute expression est cette merveille miraculeuse. Me voici à Lautal, au milieu des ruines de la première grande civilisation indienne, la civilisation de la vallée de l'Indus. Ce sont les restes muets d'une société vibrante et palpitante d'il y a 5000 ans. Chose étonnante, les traces de cette tradition indienne fort esthétique se trouvent toujours ici, dans la poterie, les sceaux, les sculptures miniatures, les jouets et autres objets trouvés disséminés sur ce site. La civilisation a péri, mais son âme subsiste. Un pot, un potier et un qui est le créateur de l'univers. Une roue qui a créé toutes les sculptures. Et un point dans le centre, où demeure le noyau. On
se déplaçait jadis en char à bœufs, et comme les roues étaient en bois et les routes debout, le char à bœufs était constamment secoué. Cela se faisait beaucoup et automatiquement. Aussi conçut-on un pot qui servirait de pot aussi bien que de verre. On pouvait y mettre la bouche de sorte que l'eau ne se déverse point. Je vais vous en montrer un exemplaire. Le voici. Il semblerait avoir un couvercle, mais il n'en est pas ainsi. Ce sont deux dans l'un. Couvercle aussi bien que pot. On peut donc boire l'eau comme ça. Et puis le cou est particulièrement long pour que l'eau ne se déverse point. Et il s'enfonce vers l'intérieur. Et aussi grande que soit la secousse, le pot ne bougera pas. Voici encore un autre pot, exquisement conçu selon une technique, sans que le fabricant l'ait appris dans un institut d'enseignement technique. Le lait est versé ici. Supposons qu'on le déplace. Or, le bord est fait de sorte qu'il ne se déversera jamais. Ainsi, les dames marchant du puits jusqu'à la maison, comme cela se fait en Inde, le placeront de sorte qu'il s'insère dans le torse, appuyé par la main. Elles peuvent ainsi transporter un deuxième pot également. Bien que je sois peintre, j'estime que cette tradition tribale et folklorique indienne est une grande tradition. L'art folklorique et tribal est un art qui vient du fort intérieur. Il a une grande valeur créative. Tant d'inconnus vivant dans les villages ont acquis une expérience et sont dotés depuis des générations d'une vision esthétique. Or, à l'époque contemporaine, comment répondent-ils à leur environnement pour fabriquer de si belles choses? Comment sont-ils donc? Ils sont un avec la nature. Ils sont un avec la vie qui est si belle. Avant le 19e siècle, chaque région tribale portait sur les murs des demeures des peintures ou images qu'on adorait. Après avoir fait la peinture, ils chantaient certains chants et jouaient aux instruments de musique pour invoquer un esprit. L'esprit venait alors habiter le corps d'un des participants qui le priait de se transférer dans l'image sur le mur, laquelle devenait sacrée. Avant le 19e siècle, aucun objet n'était fabriqué pour être encadré et suspendu au mur, ni pour servir d'ornement sur une table. Aucun objet n'était censé être décoratif. Tout était fonctionnel. Prenons par exemple une femme qui fait de la broderie sur un châle qu'elle donnera en dot à sa fille. Elle continue ainsi pendant 5 ans. Puis elle prépare le passepoil tout autour. Elle pourrait même préparer 7 passepoils parce qu'elle est absorbée dans ses pensées du moment où sa fille grandira puis se mariera et qu'elle lui offrira ce châle. J'ai le sentiment qu'à chaque niveau, un objet fonctionnel est fabriqué dans un esprit différent de celui que lorsqu'il est débité en série. Aucune peinture ne se fait sans chanter. Vous savez, un fabricant de chaussures ou alors un potier feront une chaussure ou un pot et resteront assis pendant un moment à chanter un beau chant dévotionnel de Sourdas ou Tukaram ou d'un autre poète saint. Nous,
quand nous définissons le travail, nous oublions les intermèdes de la vie qui sont si beaux. Selon le peuple de l'Inde, il faut jouir de la vie, la savourer. L'essence de la vie réside en la compréhension de la beauté sous sa forme la plus parfaite. La nature est belle. Et c'est cette beauté, observée, distillée, ressentie, qui trouve son expression dans l'art indien. L'art s'inspire de la vie de l'art. Otomalo lokana seremasi tungkana Ri mil godame chanda umulukanya me Ri mil godame chanda umulukanya me Où ailleurs de nos jours trouve-t-on l'art qui ne soit pas isolé de la vie, qui ne soit pas renfermé dans les musées, pas seulement une chose à apprendre dans la classe, alors qu'en sortant, on se trouve toujours dans un tout autre contexte. Aussi, cette continuation du contexte culturel, la vie des gens unie à l'art persiste-t-elle toujours? J'ai eu l'expérience à Cuttack que quel que soit le geste des mains que je faisais ou l'attitude assise que je prenais, quand je regardais de la fenêtre, je voyais l'épouse de Guruji toujours soit en train de préparer les galettes, soit écraser le chandan ou faire les préparatifs pour le culte. Le prêtre venait dans la pièce, pratiquait le culte et récitait les mêmes versets que nous venions d'apprendre en accompagnement de la danse. Ainsi, l'ambiance était toujours une et elle continue d'être ainsi. J'ai eu la chance de trouver immédiatement le gourou qui me convenait, le gourou Kelucharan Mahapatra. Sans lui, ma vie aurait été différente. Les danseurs regardent loin dans le passé et explorent aussi leur fort intérieur. Parce que, à mon avis, un bon danseur sait forger aussi le lien avec le soi intérieur et extérieur des gens. Ainsi, si je devais dire le vol d'oiseau, ce ne serait qu'un geste. Dire que l'oiseau vole, c'est un geste, un symbole. Mais ce que la danse dit, et cela pour la danseuse, signifie réellement insuffler la vie, vous savez, à ce qu'elle fait. C'est qu'elle doit être imbue du sentiment d'être devenue oiseau. Elle doit sentir le vol de l'oiseau et devenir toute émotive. Elle doit savoir se transformer constamment. Je me souviens une fois d'avoir assisté à une pièce dansée du Ramayana et j'ai vu Hanuman, si dévoué à Rama, qui fit un grand bond sur la scène,
Et je me dis, mon Dieu, ce jeune homme sait réellement bondir. Bon. Plus tard, je suis allée à sa rencontre et je l'ai vu, un vieillard, s'appuyant sur les bras de deux personnes. Il pouvait à peine marcher et quand je lui en ai fait la remarque, il m'a dit, j'étais Hanuman alors, je suis moi-même maintenant. Les danseurs Kathakali, après leur maquillage, ne doivent pas se regarder dans la glace. Ils commencent même le maquillage, ensuite ils s'allongent, et le maquilleur, qu'on appelle Chutikanad, réalise petit à petit le maquillage, et au fur et à mesure, les danseurs deviennent leurs personnages. La transformation de l'exécutant dans le personnage libère la personne d'avec l'individuel et le subjectif, élevant ainsi les émotions depuis le niveau purement personnel jusqu'au niveau universel. La codification exhaustive des arts, ou le rasa, donne à l'artiste ou à l'exécutant, qu'il s'agisse de la musique, la danse ou la peinture, la sculpture et même l'architecture, la liberté de contempler et d'explorer des possibilités infinies des émotions humaines les plus profondes dans leur essence universelle. Ce qu'on fait, c'est regarder la vie dans sa totalité. La végétation et les arbres, les fleurs, la lune et le ciel, le soleil, les arbres et toute la vie. Et puis on en fait abstraction. Abstraction en les transformant en une série d'états d'esprit. Quand on regarde le visage du Bouddha, son sourire dit tout. C'est un geste, ce sourire, un geste du corps. Ou quand on voit l'héroïne dans une miniature indienne qui se penche vers elle-même. Et on sait qu'elle est dans un état de désespoir total. Mais quand on lève les yeux pour regarder la nature tout autour, on voit au fond un lac aux rochers en dents de scie. Et ce n'est pas la représentation géographique d'un lieu, mais la représentation de ses émotions. Dès qu'on établit ce lien entre soi-même, ce soi et cet autre soi maître, il vous impose une exigence majeure en tant qu'être humain. Et cette exigence majeure, c'est l'exigence jumelle de l'impersonnalité, du sacrifice du moi, d'une part, et de l'intensité, de l'autre. Cela, c'est une exigence jumelle paradoxale. Comment peut-on être ainsi ? Car dès qu'on dit intense, on devient subjectif, n'est-ce pas? Et dès qu'on dit impersonnalité, on est détaché, sans émotion. Or ici, il nous faut les deux. La grande intensité du sentiment ou de l'émotion, le rasa ou le bhava, si vous voulez, et en même temps, ce sentiment ne doit pas être subjectif. Le rasa veut dire la saveur, mais en réalité c'est la sève. La sève qui monte dans l'arbre et qui donne vie à l'arbre. Videlit vidam antarnandam est le plaisir intérieur, la joie intérieure. C'est le Vidlit Vedam. C'est quand le nœud de la connaissance
fond devant une grande œuvre d'art. Et on ressent une joie intérieure. Quand on a réellement ressenti ce sentiment, on sait qu'on a éprouvé le rasa. La voie de l'esthétique, la voie du sentiment, était encore un autre moyen de réaliser le salut. Il n'est pas nécessaire d'obtenir le salut toujours grâce aux austérités. On pouvait l'obtenir en affinant les émotions et les sentiments. Et cela est indiqué tout d'abord dans le Natya Shastra de Bharat. Et depuis le Natya Shastra de Bharat jusqu'à nos jours, il continue à vivre, surtout dans la musique et la danse classique indienne, ainsi que dans le théâtre. D'une graine s'élève un arbre. D'un arbre, une fleur. D'une fleur, un fruit. Ainsi, le rasa est-il la graine de toute émotion élevée? खेत जाओ नैया।
On ne peut sans doute rien dire sur le Taj, qui n'a pas déjà été dit. C'est l'un des plus grands monuments du monde. Un édifice qui témoigne de l'excellence architecturale de l'Inde, aux environs du XVIIe siècle, sous le règne des Moghols. Regardez-le donc. Il a fallu à 20 000 ouvriers environ 20 ans pour construire ce monument à l'amour immuable, monument unique au monde. L'architecture des Moghols a un caractère très sensuel. Un seul regard au Taj Mahal révèle la qualité voluptueuse des formes, témoignant du plaisir qu'il prenait à la vie. Que la splendeur du diamant, de la perle et du rubis disparaissent comme le scintillement magique de l'arc-en-ciel. Mais que cette seule larme, ce Taj Mahal, luise impeccablement d'un vif éclat sur la joue du temps, toujours et à jamais. Regardez donc l'architecture la plus ancienne de l'Inde, l'architecture hindoue et bouddhiste. Vous y verrez l'importance des idées, car elles manifestent réellement un modèle du cosmos. C'est incroyable, cette idée de construire un édifice pour représenter le monde non manifeste au-dessus. Si vous considérez cette architecture et ces sculptures, combien elles sont bien organisées et très structurées. Tout a été très précisément calculé, construit sur une grande plateforme surélevée qui marque une séparation entre l'espace sacré et l'univers matériel. La sculpture indienne dépeint des expériences et des expressions spirituelles. Elle glorifie et grave ce qui a été reçu par les sens physiques. Pensez donc au génie qui a su produire le temple de Kailashnath à Ellora, qui, à mon avis, est la plus grande œuvre sculptée du monde. Vous savez, le monument tout entier est sculpté. Il n'a pas été érigé comme une construction bâtie par un architecte, et nous ne savons virtuellement rien de son créateur, du pourquoi et du comment de sa conception, et rien des nombreux artistes qui ont été inspirés à travailler en équipe. Pensez donc si nous avions encore en Inde un tel architecte et sculpteur. Combien phénoménale serait notre nation ? Me voici au temple Shankeshwar Shiva, à Bellur, au Karnataka, en Inde du Sud. Il aurait fallu environ 103 ans pour construire ce complexe tout entier. Et si vous regardez de près les sculptures sur les murs, vous en comprendrez probablement la raison. Du haut en bas, chaque pouce est recouverte de sculptures complexes. On voit entre autres des éléphants, des épisodes des grandes épopées, des danseuses, dans des attitudes voluptueuses. Tout y est impressionnant par la qualité d'exécution d'une œuvre complexe. La plus grande contribution que l'Inde a apportée à l'esthétique du monde se trouve dans sa sculpture. Je dirais, pour le résumer en un mot ou une phrase, que l'essence de notre sculpture se trouve dans le fait de pouvoir exprimer l'infini ou la spiritualité
sous des formes qui sont en même temps extrêmement sensuelles. J'estime que cette combinaison, cette harmonie de l'esprit et du corps, qui est l'essence du yoga, est essentielle à la compréhension de l'esthétique indienne et que l'on ne voit guère dans aucune autre tradition. J'ai vu l'image en moi prendre forme à l'extérieur. Quand j'ai vu cela, j'ai compris que la figure devant moi n'était que moi-même. J'ai compris ce qu'on dit dans ma tradition. Le sculpteur devient l'objet sculpté. Dans les Shiv Shastras, qui établissent les lois de la proportion, on trouve une précision à un tel point que même la circonférence du lobe de l'oreille est spécifiée. Dans la sculpture indienne, le divin ne saurait pénétrer aucune image qui n'est pas parfaite. Ainsi, sculptait-on les yeux en dernier. Par exemple, si on crée une image du dieu Shiva et que l'image n'était pas bien faite, elle ne représentait pas le dieu Shiva si les yeux n'avaient pas encore été sculptés. On pouvait donc la rejeter, la détruire. Mais une fois les yeux sculptés, il devenait le seigneur. Ainsi, c'est seulement quand l'image est parfaite qu'on y sculpte les yeux. C'est ça le respect réel. Cela faisait partie aussi du code de la forme. L'artiste traditionnel de l'Inde n'imite pas directement la nature. Il ne se donne pas un modèle à copier, mais il produit son image suite à la visualisation intérieure ou dhyanam. Quand un roi souhaitait qu'on fasse le portrait de son épouse, il expliquait à l'artiste qu'elle avait le visage Padmini et les yeux Chitrani, à savoir le visage à l'aspect pur, mais les yeux espiègles et érotiques. L'artiste comprenait immédiatement, et il lui était inutile d'avoir devant lui la jeune femme. Le résultat n'était pas réaliste, mais le portrait avait un visage Padmini et des yeux Chitrani. Et le roi disait « C'est bien ma femme ». On ne notait aucune ressemblance physique, mais on discernait le caractère du personnage. Il faut être totalement engagé dans l'ensemble du processus. Devenir un avec les traces sur la surface, avec la forme, même avec le flot de l'encre, avec les outils utilisés. Ainsi, à moins d'intégrer tout cela totalement dans son cadre mental, on ne peut exécuter un seul trait authentique. Tout cela, tout comme avec le chanteur qui se met à chanter et s'y immerge de la même façon. Chaque trait sera exécuté avec une totale intégrité, à condition de se laisser être totalement pénétré par l'esprit de la discipline. Une vision personnelle. Il faut du temps pour l'évoluer. Prenons par exemple un cercle. Quiconque peut s'efforcer de tracer un cercle. Mais si vous n'êtes pas un dessinateur compétent, si vous manquez de confiance, le cercle que vous tracez sera terne. Les lignes manqueront de force. À mesure que le tracé lancé, votre cercle évolue, vous savez avec certitude où se trouve l'autre bout. Les 7 notes de la musique et les 7 couleurs sont identiques pour tous. Savoir les utiliser dépend de nous. L'accent mis sur l'imagination, la liberté de la visualisation créative, sans les entraves de la réalité et du réalisme, ont fourni des ailes à notre expression distincte. La représentation de la beauté est du domaine de l'artiste. Mais du point de vue indien,
la beauté et choses qu'on doit aspirer à atteindre, que l'approche soit de la part de l'artiste ou du spectateur. En effet, c'est seulement quand le spectateur, le rasik en sanskrit, celui qui apprécie, participe de façon imaginative au processus, que la création, que l'extase est réalisée. Il y a une façon de penser indienne qui consiste à évoquer des contes. Nous avons hérité de bien des formes de contes, et cela représente notre force. Nous avons reçu même des instructions politiques sous la forme des contes du Panchatantra. Même les mathématiques étaient enseignées à travers des histoires. Nous avons ainsi toujours eu cette façon de penser et de léguer des informations et instructions. Même aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un et qu'il veut vous transmettre une instruction importante, il commencera par dire « Je vais vous raconter une histoire ». C'est bien notre façon d'évoquer les choses. La musique nous rapproche du divin, plus que toute autre forme d'art. La musique est méditation. La musique a le pouvoir de libérer et d'illuminer non seulement le musicien, mais aussi l'auditeur. Le rythme est au cœur de toute la création, qui meut dans l'atome. C'est le rythme qui du flou barate des images et rend tangible ce qui est fugace. C'est cela, la Maya. C'est cela, l'art dans la création et l'art dans la littérature qui fait la magie du rythme. J'estime que pour un artiste, la plus grande inspiration vient de la nature. Nous apprenons tant de la nature. Il y a eu tant d'influences dans ma vie, tant d'incidents et d'anecdotes, une certaine musique, ou un musicien peut-être, ou même sa maison ou son pays que j'ai pu visiter. Toutes ces expériences trouvent leur expression dans ma musique. C'est très intéressant que quand un enfant naît, on se livre à la musique. Il y a une inauguration, on commence par la musique. Si vous allez au temple, il y a de la musique. Partout la musique. C'est si agréable que la musique fasse partie de notre vie de tous les jours. Selon notre tradition, là où il y a musique, il y a Dieu. Quel est le meilleur raga de tous? Mais le Bhairava, bien entendu, étant dédié au Seigneur Shiva, il mérite après tout d'être le roi des ragas. Il y a des moments fugaces où, quand je chante une note, je ressens dans mon moi profond le processus de la création. Quand je me mets à chanter le raga Gandhar, j'ai le sentiment qu'on devrait aimer tout le monde. «
par la grâce de Dieu, le monde entier apprécie maintenant notre musique classique indienne, notre art et notre culture. J'estime que le message même de la musique classique indienne est celui de la liberté au sein d'une discipline, car on a le droit d'improviser, mais dans le cadre de règlements établis. Pour réaliser du mérite artistique, il faut jouir des bénédictions, d'abord de Dieu, et ensuite du gourou, et de tous vos aînés, y compris vos parents. J'estime que la musique est un mode de vie. La musique est inébranlablement liée à nos vieilles grâces, notre ancien système, au respect, à la tradition. Sans le rythme derrière le son, il n'y a pas de musique. Vous aussi, vous avez une voix. Chacun a une voix. Mais ce n'est qu'avec des années de pratique ou riyaz qu'elle acquiert la clarté et la perfection. De sorte que lorsque vous chantez, même les profanes dans l'auditoire disent « Je ne la comprends pas, mais elle sonne bien aux oreilles. Elle me touche le cœur. » C'est uniquement pour ouvrir les portes à l'entente commune. Elle brise totalement toutes les barrières. Étant un langage universel, elle devient même une émotion qu'on cherche à éprouver, plutôt que des notes ou paroles à apprécier. Même l'œuvre d'art la plus ordinaire en Inde est motivée par un sentiment du lien avec l'univers. Et c'est pourquoi cela vaut la peine d'avoir dépensé de l'effort, du labeur et du temps, même dans la création des images les plus transitoires. Et c'est pourquoi, en un sens, chaque morceau d'art ou d'artisanat en Inde est un morceau original. Dans l'espace, à travers l'architecture, dans la forme, à travers la sculpture, dans le corps, à travers la danse, dans les paroles, à travers la poésie, dans le son, à travers la musique, dans la pensée, à travers les mathématiques. Quand l'homme fait la découverte de l'ordre et du rythme, il touche le divin en lui-même.